Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Un matinal au cœur de l'info, 8h, édition complète avec Walid Selman. Walid, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi, sur ordre du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales met fin aux fonctions du Walid Oredizan ainsi qu'à son chef de Daïra. À Gaza, quatrième vague d'échange de prisonniers hier soir, la trêve prolongée de 2 jours. La loi de finances 2024 présentée hier à l'Assemblée populaire nationale, le débat commence aujourd'hui. Préserver le pouvoir d'achat du citoyen, une priorité. ADL3 entame avant la fin du premier semestre 2024, opération qui se fera par voie numérique. Et puis, canoë et kayak, championnat d'Afrique, l'Algérie termine avec 13 médailles, dont 2 en or, aucun athlète qualifié au JO. Et pour commencer, sur ordre du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales met fin aux fonctions du Walid Oredizan ainsi qu'à son chef de Daïra. Et il n'est pas le seul à avoir sévi. Le ministre de l'Éducation a également mis fin aux fonctions de 3 responsables du secteur dans la même wilaya. Ces décisions ont été prises suite à la confirmation d'un laissé-aller dans la prise en charge des besoins des citoyens ainsi que l'émission de rapports fallacieux. L'enquête sur ces pratiques est toujours en cours, précise le communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a reçu hier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs résidant en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de Finlande, de la République du Congo, de la Tanzanie et de la Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet par intérim à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie, et qui a reçu hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili. Attaf qui a exprimé le soutien de l'Algérie aux démarches continues et aux efforts inlassable pour mettre fin à la crise libyenne. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie a de tout temps été aux côtés de la Libye, ce pays frère par la parole et par l'action. Notre pays restera fidèle à ses politiques et ses positions et continue de participer aux efforts consentis dans cet objectif, que ce soit par l'Organisation des Nations Unies ou par l'Union africaine, et nous saluons les efforts entrepris sous l'égide des 2 organisations. Les processus onusiens et africains s'accordent et se complètent dans le seul objectif de mettre fin à la crise en Libye, à tourner la page de la division, à consacrer l'unité entre les frères libyens et à préserver l'intégrité territoriale de la Libye. Abdoulaye Batili qui a affirmé de son côté que les Nations Unies ont besoin de l'expérience de l'Algérie pour aider les Libyens à dépasser cette crise. Dans l'actualité nationale, rappelons que les députés de l'Assemblée populaire nationale ont entamé hier le débat sur le projet de loi de finances. Pour 2024, présenté par le ministre des Finances, le texte consacre le caractère social de l'État en prévoyant plusieurs mesures permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Hanan Saïsi. 703 milliards de dinars seront consacrés aux subventions aux produits de large consommation, les céréales, le lait, l'eau de dessalement, les énergies et la stabilisation des prix du sucre et de l'huile à titre d'exemple. Ça d'une part, et le soutien à l'investissement à travers notamment des incitations fiscales proposées pour certaines activités, notamment la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle conformément aux orientations du président de la République. Il est prévu aussi la création de nouveaux postes d'emploi. Plus de 37 000 postes budgétaires supplémentaires, 15 800 postes pour la santé. Le secteur de l'éducation nationale sera doté quant à lui de 10 000 nouveaux postes et près de 6 000 pour le secteur de l'agriculture. Il est question également de recrutement sur postes vacants au profit de plus de 20 000 fonctionnaires et contractuels. On note aussi la levée de gel des promotions professionnelles. Un peu plus de 280 000 fonctionnaires seront concernés. Enfin, la révision de la grille indiciaire des salaires au profit de 2,86 millions de fonctionnaires et agents public pour une enveloppe globale de 578 000 milliards de dinars au chapitre programme 9, parce qu'il y a un chapitre consacré à ce programme. 2405 milliards de dinars seront alloués pour les nouvelles opérations inscrites dans les secteurs de l'éducation, l'habitat, l'hydraulique, la santé, les transports et les travaux publics. Des mesures et un satisfait des députés, parmi eux, Abdelkader Bourich, député, il souligne justement l'augmentation du budget devant soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il est au micro de Hanan Saïsi.
On relève de ce projet de loi l'aspect socio-économique qui a été préservé dans le budget de l'État et l'élargissement des dépenses publiques. En ce sens, cette année, le budget atteint les 110 millions de dollars. L'objectif de ce budget, c'est la prise en charge des besoins de la société, notamment en matière de soutien au pouvoir d'achat. Une des priorités des citoyens, l'habitat. Walid Selman, le programme ADL 3 lancé avant la fin du premier semestre 2024. Le processus pour les souscripteurs sera entièrement numérisé. Une transformation majeure dans le processus d'inscription. Le ministre de l'Habitat, Tarek Blaribi, l'annonce hier depuis Béchar. Il a décidé d'adopter une approche entièrement numérique, une approche zéro papier, Ibti Haladoun. Une transformation majeure dans le processus d'inscription pour le programme ADL 3. Une modernisation des procédures administratives qui consiste en l'adoption d'une approche entièrement numérique. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. Cette réforme consiste en l'adoption d'une approche entièrement numérique, abandonnant les formulaires papier traditionnels. Cette transition vers une inscription zéro papier vise à simplifier et accélérer les démarches, rendant le programme ADL 3 plus accessible à un plus grand nombre de citoyens. Les participants utiliseront dorénavant leur numéro d'identification nationale et leur numéro d'assurance sociale lors de l'inscription. Le prix des logements fait l'objet d'une réévaluation en fonction de divers facteurs selon le ministre de l'Habitat. Mohamed Tarek Belaribi. Il y a une possibilité d'augmentation du coût des logements ADL 3 en raison de la hausse des prix des matériaux de construction. Bien sûr, nous allons prendre en considération les revenus des citoyens. Les inscriptions pour l'ADL 3 débuteront lors du premier semestre de l'année prochaine. Les conditions de souscription ne changeront pas, notamment en ce qui concerne l'âge et la durée de remboursement. 8h07 sur Alger Chaîne 3, situation à Gaza à présent où la trêve entre l'entité sioniste et le Hamas est prolongée jusqu'à jeudi. C'était hier soir avec la libération prévue d'autres prisonniers de guerre aux mains de la résistance palestinienne et de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes et l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique mais des voix s'élèvent pour un cessez-le-feu permanent. Linda Babsa. La trêve conclue entre Israël et le Hamas devrait être prolongée et évoluer vers un cessez-le-feu permanent. C'est le vœu du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui estime que sa prolongation pourrait aboutir à une solution politique, à la libération d'un plus grand nombre d'otages et à un processus pouvant faire l'objet d'un consensus entre les deux parties. Même appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui estime également que le dialogue ayant conduit à la trêve humanitaire dans la bande de Gaza devrait se poursuivre, exprimant son espoir de voir cet accord donner lieu à un cessez-le-feu. Et il faut dire, Linda, que ces appels à un cessez-le-feu permanent portent la crainte d'un embrasement dangereux dans la région. Oui, les Houthis ont d'abord saisi en mer Rouge un navire, le Galaxy Leader appartenant à un Israélien. Ces dernières 48 heures, les forces navales yéménites ont saisi un autre cargo, deux autres cargos, deux et un porte-conteneur, également en mer Rouge, parti d'Israël vers la Chine. C'est donc les troisième navires saisis en trois jours. Les Houthis tentent de mettre en place une forme de blocus naval contre Israël, car ils savent bien que tôt ou tard, les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer les navires à destination ou en provenance d'Israël. Dans une telle situation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Israël se feront sentir très rapidement. Et si le blocus naval devait durer un mois, eh bien les effets sur l'entité sioniste seraient littéralement catastrophiques. Par ailleurs, l'entrée du porte-avions Eisenhower dans le détroit d'Ormuz pourrait déclencher un large conflit entre l'Iran et les États-Unis. Et des experts de l'ONU en droit humain ont demandé hier l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis le début de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Ces experts sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une transition toute faite pour aborder ce front des hommes épris de liberté et de justice qui se donne rendez-vous à partir de demain à Alger. L'entité sioniste doit répondre de ses crimes. C'est une nouvelle étape dans cette bataille judiciaire déjà entamée. Traduire les génocidaires sionistes devant la Cour pénale internationale. L'Algérie abritera à partir de demain et après-demain, une réunion autour de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'occupation israélienne. Un comité des avocats pour la Palestine sera créé à l'issue de cette réunion d'Alger. Maître Gilles Devers, à la tête d'un collectif d'avocats ayant déposé une plainte auprès de la CPI, sera présent à cette rencontre d'Alger. Il est à l'avant-garde de cette initiative. Mercredi dernier, il s'était réuni avec le procureur général de la CPI. Je vous propose de l'écouter. Il a été contacté par Linda Hamada.
Le dossier progresse bien. C'est une bataille qui est particulièrement difficile et les Palestiniens petit à petit réunissent un gros réseau de soutien, mais ils savent qu'ils doivent avoir compté sur eux-mêmes, ce qui est en cours. Et pour ce qui est du bureau du procureur, nous avons éclairci des points qui étaient en discussion, à savoir que le fait qu'ils ne puissent pas se rendre sur place ne sera pas un obstacle à l'avancée de la procédure, parce que ce serait donner un avantage à l'agresseur. On a été sollicité par le bureau du procureur pour faire état de nos contacts et solliciter des informations qui viennent directement de Gaza sur des dossiers de victimes, sur des manières de procéder de l'armée israélienne, toutes sortes de points qui peuvent, on l'espère bien, permettre à la Cour de prendre une première décision dans le cadre de l'enquête. Donc pour le moment, on est axé sur cette phase urgente et puis on prépare déjà la suite, c'est-à-dire l'étude de fond du dossier et puis d'autres dossiers que nous soumettrons avec cette grande base d'organisation qui se met en place à commencer d'Alger par la suite à la Cour. C'était Maître Gilles Audevert, contacté par Linda Hamad. La situation à Gaza qui témoigne de ces tensions et des bouleversements géopolitiques qui ne sont pas sans peser lourdement sur le marché énergétique. C'est d'ailleurs dans ce contexte que se tiendra au début de l'année à Alger le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Le marché du gaz naturel, un secteur qui n'échappe pas aux tensions géopolitiques, a commencé par la guerre en Ukraine qui perturbe les cours du gaz et fragilise les approvisionnements vers l'Europe. Quelle sera la tendance du marché gazier? Faut-il craindre l'extension du conflit à Gaza? Élément de réponse avec Jovida Azouk. Dans cette conjoncture où le gaz russe prend le chemin de l'Asie, vers la Chine notamment, l'Europe, évidemment en quête d'alternatives au gaz russe, sollicite d'autres pays gaziers dont l'Algérie pour augmenter ses approvisionnements. Et l'Algérie reste une partie de la solution pour l'Europe qui veut à terme se passer complètement du gaz russe. Francis Perrin, expert et spécialiste international des problématiques énergétiques. Face à cette volonté européenne de se passer complètement du gaz russe dans les années qui viennent, toutes les solutions sont importantes et l'Algérie est une partie de la solution. Et le potentiel algérien est important, mais il faut pouvoir concrétiser ces atouts algériens avec plus de production pour la satisfaction du marché national et pour plus d'exportation vers le marché européen. En tout cas, pour Mourad Preur, consultant et expert en énergie, dans le vent de ces changements géopolitiques, le centre de gravité de la croissance est tourné actuellement vers l'Asie. Pour lui, l'Europe devrait opter pour des débouchés africains. L'Europe aurait intérêt à soutenir une route sud, une route africaine qui viendrait d'Alger jusqu'à Abuja au Nigeria. Win Hassermel pourrait être un hub gazier pour l'Europe. Le facteur temps est extrêmement présent. On parle de centrales nucléaires, mais il faut 10 à 15 ans pour mettre ça en place. Il est certain que les facteurs géopolitiques influent grandement sur les marchés pétroliers et gaziers. Ils influent sur la demande, la volatilité des prix, mais aussi et surtout sur la sécurité des approvisionnements. Et pour clore cette édition, cette triste nouvelle pour le monde artistique algérien, le chanteur Aïe Mohamed Bouzmaha, commissaire du festival de la chanson Raï, vient de perdre la vie aux côtés de l'artiste Amine Lacolombe. Allah yirhamhum. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.